j'entends déjà mes petites oreilles siffler avec cette fameuse question. Pourquoi ? Pourquoi tu as fait ça, Océane ? Pourquoi tu as changé ton nom de chaîne ? Et bah si aujourd'hui je suis face à cette caméra, c'est justement pour vous expliquer pourquoi la chaîne ne s'appelle plus Mini Poney, mais Equismall. Personnellement, je trouve que ça sonne bien, mais il y en a qui vont aimer, d'autres non. Mais dans tous les cas, il y a ce fameux changement et je vais vous expliquer le pourquoi du comment, donc c'est parti. Il faut savoir qu'actuellement j'ai 18 ans et que cette année je vais souffler ma 19e bougie. Vous allez me dire en quoi son âge a un rapport avec le changement de son nom de chaîne. Je trouve qu'il y a un très gros rapport. Le nom Mini Poney, je l'ai créé il y a maintenant 2 ans et je cherchais un nom de chaîne qui m'identifie assez facilement sur YouTube, qui explique très clairement les sujets de mes vidéos et qui soit très simple. Et du coup, vu que Bilbao était un mini poney, bah j'ai trouvé que mini poney c'était simple, c'était clair et au moins on savait de quoi ça allait parler. Maintenant, je trouve que mini poney est un peu trop enfantin. Tout simplement parce que les nouvelles personnes qui me suivent ou les gens que je rencontre et qui apprennent que je suis youtubeuse et qui apprennent du coup le nom de ma chaîne ricanent un peu parce qu'ils trouvent que ça fait vraiment très enfant et me demandent si je fais justement pas des vidéos pour des jeunes enfants. Or non, malgré que vous êtes en grande partie des jeunes, donc maxi 16 ans, et bah ça m'a fait quand même pas mal réfléchir sur certaines choses et justement la question de est-ce que le nom de ma chaîne me correspond maintenant. Il faut également savoir que on m'a toujours identifiée dans mes vidéos comme une fille très gentille, toujours très souriante, un peu timide, mais ce qui me pose problème c'est que même contre ma volonté, j'exprime assez facilement ma sensibilité. Et je trouve que le nom Mini Poney accentue justement sur le fait que je sois sensible et j'ai envie de vraiment changer ça, montrer une nouvelle phase de ma personnalité. Bon, malgré que le fait que je sois gentille et souriante, ça ne changera jamais parce que je suis comme ça, c'est dans ma nature et je ne compte pas modifier ces petits traits de caractère. Mais voilà, le fait que mini poney, surtout le mot mini qui montre une toute petite fille super gentille, toute mimi, bah ça me dérange parce que voilà, j'ai maintenant, comme je vous dis, je vais bientôt avoir 19 ans et je grandis et j'ai besoin que la chaîne grandisse avec moi. Et il y a aussi le fait que j'ai envie qu'on me prenne un peu plus au sérieux. Je parle du coup au fait que les gens rigolent assez facilement au niveau du nom de ma chaîne et je veux que ça devienne un peu plus professionnel. C'est donc pourquoi j'ai voulu changer Mini Poney pour Equismall. Je vais vous expliquer juste après pourquoi Equismall. Mais voilà les plus grosses raisons de pourquoi j'ai voulu changer. Il faut savoir que j'ai de nouveaux projets avec ma chaîne et Mini Poney bloqué justement par rapport à mon avancée de ces fameux projets. Et du coup le changement était obligatoire pour moi. Il ne faut pas penser que j'ai changé de nom sur un coup de tête. Ça fait quand même pas un petit moment que je réfléchis par rapport à ça. Et que j'ai quand même parlé à mes proches, à des amis, pour savoir ce qu'ils pensaient. S'ils pensaient qu'il fallait mieux que je le change ou que si justement ça c'était très bien. Mais en fin de compte c'est même moi-même qui avais besoin de le changer. Parce que voilà, je veux montrer une nouvelle personnalité. Donc voilà pourquoi la chaîne ne s'appelle plus Mini Poney mais Equismall. Pour ce qui est du nouveau nom, j'ai voulu quand même garder quelque chose d'assez simple. Je ne voulais pas arriver à quelque chose à rallonge, quelque chose qui soit trop compliqué à prononcer, à comprendre. Et du coup, bah, encore une fois, avec ma famille, mes proches, bah, j'ai commencé à parler, on a réfléchi ensemble à trouver un nouveau nom. Et j'ai également parlé à mes copines youtubeuses qui, vu qu'elles ont dû elles-mêmes trouver un nom de chaîne, bah, j'ai pensé qu'elles pouvaient m'aider. Et justement, c'est ce qu'elles ont fait. Et c'est grâce à elles que du coup, je suis arrivée à trouver mon nouveau nom de chaîne. Et voilà, c'était pas mal de recherches et en fin de compte, on est arrivé à Equismall. Donc Equismall, ça veut dire équitation, donc équitation. Et small veut dire petit en anglais. J'aime bien le fait que ce soit mi-français, mi-anglais. Au moins, ça donne un petit style. Mais c'est surtout que je trouve que le nom sonne
bien et que ça ne fait plus cet effet enfantin que je ne voulais plus dans mon nom. Et ça donne un petit côté professionnel, mais voilà, on reste dans le thème des mini avec small. Et dans mon équitation, voilà, je ne suis pas partie à côté avec un nouveau nom de chaîne qui avait strictement rien à voir. C'est simple, c'est assez court. Et puis voilà, je n'ai pas d'autres explications. Moi, je veux vraiment rester dans la simplicité. Voilà, la complexité, c'est surtout... Je déteste ça parce que je m'embrouille assez facilement. Mais voilà, Mini Poney n'existe plus à présent. Et va falloir que j'arrive moi-même à ne plus dire ce nom. Mais maintenant, Equismall. C'est comme quand on termine 2017 et qu'on retourne en cours en 2018 et qu'on écrit 2017 sur nos copies. C'est la même chose, c'est une question d'habitude. Et ce sera également une question d'habitude pour vous. Donc en tout cas, j'espère que ce nouveau nom vous plaira. Et si ça vous plaît pas, bah ma foi, voilà, je suis désolée, mais moi j'avais besoin de ce changement et moi j'aime bien mon nom, bah voilà. C'est mon avis qui compte le plus. Et du coup, voilà, vous pouvez quand même donner vos avis sur le nouveau nom de chaîne, hein, bien sûr, tout en restant dans la politesse, la maturité, et non pas partir dans les critiques disant directement « c'est de la merde ton nouveau nom de chaîne ». Ça, ce sera directement supprimé et signalé, au moins il n'y aura pas de soucis. Donc voilà, la vidéo est terminée et nous commençons des nouvelles vidéos sous le nom de Equismall. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et du coup à la partager pour que un maximum de personnes soient au courant que je ne m'appelle plus Mini Poney. Vous pouvez du coup me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui auront également changé de nom, tels que Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Les liens seront en barre d'infos. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.